C'est un moment important dans la carrière de Batty. Il vient de s'imposer entre 1919 et 1928 comme un des nouveaux metteurs en scène d'avant-garde, et notamment de faire une série de saisons au studio des Champs-Élysées, salle très petite, qui ont eu beaucoup de succès. Il s'installe au théâtre de l'Avenue, et pour la première fois, il va mettre en scène un classique. Il choisit Shakespeare, et à travers Shakespeare, il va réussir à suggérer plusieurs choses qui lui tiennent à cœur du point de vue de l'art de la mise en scène, à savoir une remise en cause du statut, du texte théâtral, et en même temps un traitement scénique qui avoue nettement le primat du visuel sur le littéraire. Et sur ces deux options, son choix d'un texte particulier d'Hamlet est significatif, et son choix de mise en scène également. Alors parlez-nous d'abord du choix du texte. Du choix du texte, eh bien, paradoxalement, et je crois que Batty est un homme de paradoxe, un peu provocateur volontairement, il choisit ce qu'il appelle, et ce qu'on appelle le premier Hamlet. Et c'est ce qui va monter dans une traduction de Théodore Lascaris, la version jouée en 1602 qui correspond, pour les spécialistes, au quarto de 1603. Habituellement, on s'en tient à une combinaison d'un quarto 1604 et d'un folio 1600, excusez-moi, la pédanterie 1623, qui fait une version de l'œuvre d'environ 4000 vers. Celle-ci en a 2100. Donc une version beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense, et où justement les efflorescences poétiques du texte sont nettement moins présentes que dans les versions que nous connaissons finalement. Alors il y a là quelque chose de surprenant, on n'a jamais joué ce premier Hamlet en France, et aussi bien les connaisseurs que les nouveaux spectateurs vont entendre et vont voir un Hamlet qu'on n'avait jamais vu ni entendu en France. Alors je suppose que ça va remuer. Eh oui, ça provoque un peu scandale, puisque ça va très vite. Bon, bien sûr, l'histoire est la même, seulement avec des particularités qui plaisent beaucoup à Batty. Le texte n'est pas omniprésent, et il y a au contraire primat de l'action dramatique, mélodramatique même, et intensité extrême de la succession des scènes. Ce qui fait que aussi, la première version de ce Hamlet propose un Hamlet très jeune, à peine 20 ans, très fragile, mais en même temps très nerveux, très rapide, et qui change très, très vite de sentiments, de projets. Et ça donne donc aussi à la pièce un tour de plus en plus haletant, et ça commence très doucement, et ça va de plus en plus vite. Et cela est très présent et très construit dans cette version-là. Donc dans sa lecture du texte, Batty privilégie avant tout le rythme, l'action. Le rythme, l'action, ce qu'il appellerait lui le théâtre, c'est-à-dire tous les moyens mis en œuvre par l'art du théâtre, et parmi lesquels le texte écrit n'est qu'un des éléments, et non pas l'élément premier. Le théâtre n'est pas une branche de la littérature, dit-il, il veut absolument démontrer que le théâtre est d'abord un art autonome, l'art définitif et complet, dit-il, en quel s'exaltent tous les autres, plus beau d'être réunis. Oui, encore une citation. Alors justement, développons un peu cet aspect, c'est-à-dire par quels moyens développe-t-il le spectaculaire au théâtre? Eh bien, je crois qu'il va le développer en donnant une très grande force aux éclairages, en donnant une très grande force aux lignes de construction du décor, en donnant une très grande force à l'organisation d'ensemble de la pièce, et aussi en cherchant la plus grande cohérence possible dans une distribution, c'est-à-dire en ayant formé une troupe. Et il a tous ces éléments en main à cette époque, en 1928, et donc il va proposer une version d'Hamlet qui sera effectivement neuve, surprenante pour beaucoup de monde. Alors comment le décor intervient-il par rapport à cette mise en scène? Alors là, pour Hamlet, il a choisi un décor unique, qui est un décor assez curieusement à la fois très stylisé et en même temps qui a des points d'ancrage très réalistes. C'est la cour intérieure d'un château très moyenâgeux, un peu barbare, un peu primitif, et qui est en même temps comme une sorte de cul de basse-fosse où les personnages se trouvent pris, capturés. Si vous voulez. Il y a bien des portes, on peut sortir, on peut rentrer, en même temps on sent que pèse sur eux quelque chose. Et c'est donc fait dans de très 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 hauts murs, et une sorte de grand dispositif vide, à partir duquel s'organise un jeu d'entrée-sortie sur une porte allant chez Polonius, une porte allant dans la chapelle, une porte donnant sur l'extérieur, sur un hypothétique pont-levis, et surtout un immense escalier qui va courir tout le long de la paroi du fond, toute grisée, et qui va permettre des entrées, des sorties et des jeux à différents niveaux, assez spectaculaires visuellement en tout cas. Puisque sur cet ensemble qui est gris, les costumes, au contraire, aux couleurs éclatantes de Robert Feo, vont ressortir très très vivement. Donc il y a là un dispositif à la fois intense, synthétique, mais en même temps qui renvoie à une réalité, à un haut Moyen-Âge. Et en même temps très visuel. Et très visuel, puisque justement, dans ce lieu-là, alors Batty va proposer quelques éléments qui permettront aussi de modifier le climat,
rapidement. La première scène justement de la pièce se déroule dans la presque obscurité avec un brasero à l'avant-scène qui éclaire à peine et qui permet de laisser deviner les sentinelles qui arrivent et qui va donner aussi beaucoup d'intensité à l'apparition du spectre. Parce que sur une arche de pierre qui enjambe le grand escalier qui court tout au fond est sculptée une immense statue du père défunt et qui pèse sur l'ensemble de la représentation. Alors là, on est là du côté, cette fois-ci, de la symbolique, si vous voulez. Et à chaque apparition du spectre, un dispositif photochroma de couleur va illuminer tout doucement la statue du père et donc nous signaler l'apparition du surnaturel. Et les personnages soit regarderont du côté de cette sculpture, soit suivront dans la salle, autour d'eux en tout cas, le passage de ce fantôme. Au total, ça donne une certaine interprétation d'Hamlet. Oui, d'autant que le rôle principal est interprété par une femme, Marguerite Jamois, qu'il a choisi justement pour insister sur la fragilité, la nervosité, la peur aussi du personnage. Mais en même temps, son tour extrêmement jeune, extrêmement enlevé, si bien que les scènes avec Ophélia sont à la fois très belles et déchirantes, ce sont presque des amours d'enfants qui se déchirent, parce que les scènes, le rapport avec la mère d'Hamlet aussi, s'en trouve intensifié, d'autant que dans cette première version, la mère n'est, semble-t-il, pas coupable du crime. Elle n'a pas été complice du crime, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et quand elle va l'apprendre, elle va se ranger du côté de son fils. Il a médité, il est parmi les quatre du cartel celui qui n'est pas acteur, mais celui qui est sans doute le plus metteur en scène de tous, en tout cas qui connaît parfaitement les techniques de la scène. Sans doute le meilleur éclairagiste de son temps en France, un excellent connaisseur des techniques de construction de la scène. Il était capable de bricoler n'importe quel élément d'électricité sur un plateau. Il sait donc très bien ce qu'il fait et il utilise tous ses pouvoirs pour que le théâtre justement soit premier et pour que le théâtre puisse à nouveau captiver un public avec la plus grande richesse possible. Et d'ailleurs, dans un de ses écrits, il parle du malade imaginaire et il montre comment on peut en tirer des interprétations quasiment opposées. Oui, et vous faites bien de le rappeler parce que c'est dans le même théâtre, le théâtre de l'Avenue, qu'il a occupé très bien une saison et demie simplement, où il va aussi aborder pour la seconde fois, cette fois-ci un classique, avec un malade imaginaire qui vire petit à petit au drame dans sa mise en scène, puisque tous les intermèdes sont traités comme des sortes de cauchemars ou d'angoisses de mort de la part du malade. Et c'est un spectacle alors, qui suscite plus de scandales, parce que la critique française est quand même plus sourcilleuse à l'égard de Molière, peut-être à cette époque encore, qu'à l'égard de Shakespeare. Et est-ce que cela conduit pour autant Gaston Batty à être un ennemi du mot et le seul ami du spectaculaire? Je crois que c'est un peu exagéré. D'abord, il a passé une grande partie de sa vie à monter des auteurs contemporains, il en a monté beaucoup, il en a imposé plusieurs, et il a de la même façon monté des classiques, et il les a montés souvent au mieux de leurs possibilités. Je crois que sa mise en scène des Caprices de Marianne d'Alfred de Musset est devenue légendaire parce que jamais on n'a fait entendre aussi bien le texte et sa résonance que l'on pouvait percevoir grâce à un metteur en scène. La tâche du metteur en scène, c'est de restituer au texte du poète ce qui s'en était perdu, du rêve au manuscrit, dit-il. Et lui, justement, metteur en scène, va donner sa plus grande et sa plus grande beauté à tout ce que le texte suggère et propose. D'ailleurs, ne dit-il pas que les plus grandes époques du théâtre sont celles qui ont su allier le pouvoir du mot à celui du spectacle? Bien sûr, c'est pour cela qu'il essaie lui aussi constamment de solliciter des auteurs. Et il ne veut pas être un metteur en scène qui exclut totalement l'auteur du champ théâtral, même si parfois certains de ses spectacles, justement, ont surtout été des spectacles visuels, et même si assez rapidement il s'est constitué un public à partir du moment où il occupe le théâtre Montparnasse, à partir de 1930, qui vient voir les spectacles de Batty. Encore plus peut-être que la pièce de tel ou tel auteur. Alors au sein du cartel, est-ce que sa position faisait problème? Faisait problème, oui et non. Je crois que le cartel est un rassemblement circonstanciel d'intérêts communs, d'amour du théâtre commun, mais avec quatre personnalités très très différentes. Donc ils ne cherchent pas à se marcher les uns sur les autres de ce point de vue-là. Ils ont chacun aussi leur façon d'aller, tous quand même donnent la première importance à l'art de la mise en scène, avec bien sûr, dans le cas des trois autres, l'art de l'acteur aussi, puisqu'ils sont ils sont acteurs eux-mêmes. Mais Batty, lui, dans ce cas-là, s'est entouré d'une troupe excellente, très cohérente, les gens sont restés avec lui très longtemps, des années 20 jusqu'à la fin de sa carrière, et il avait donc une solide troupe.
Alors, est-ce qu'on pourrait parler maintenant du bâti théoricien, puisqu'il a théorisé aussi Bien oui, oui, c'est un peu par cela qu'il se fait connaître aussi dans cette période-là, en publiant une série d'essais théoriques dès les années 20, qui sont regroupés en 1926, donc on est proche du Hamlet, sous le titre Le masque et l'encensoir, où il fait l'éloge de l'aspect spectaculaire du théâtre, et avec justement un des chapitres qui s'appelle Sire le mot, dans lequel il essaie de mettre en question le pouvoir de la littérature vis-à-vis du théâtre. Et il va de la même façon publier régulièrement des ouvrages, et notamment au moment où il met en scène Hamlet, il publie un numéro de sa revue Masque, consacré aussi à Shakespeare, Visage de Shakespeare, qui est un très bel essai sur l'auteur, et dans lequel en même temps il défend son point de vue par rapport au premier Hamlet, disant que les autres versions sont peut-être trop encombrées de littérature. Alors, on pourra là, bien sûr, volontairement, il provoque un peu pour aboutir à une discussion, mais pour lui, Shakespeare est avant tout un homme de théâtre et pas un auteur littéraire. Donc c'est pour cela aussi qu'il appuie de ce côté-là. Alors est-ce que le bâti écrivain de théâtre rejoint ses positions théoriques ou est-ce qu'il en diverge? Il a un peu écrit. Il a un peu écrit pour le théâtre, il a écrit une pièce assez belle qui s'appelle Dulcinée, en marge de Don Quichotte. Il a surtout fait des adaptations assez réussies également de Crime et Châtiment. Par exemple, et il a, je crois, souvent, en tant qu'écrivain, au contraire, fait preuve d'une qualité de langue et de style qui montre bien qu'il n'était pas tout à fait ennemi d'humour. Alors Gaston Bâti a terminé sa carrière, je crois, en s'intéressant à la marionnette. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet aspect-là? Oui, bon, c'est quelque chose qui le préoccupe dès l'enfance. Il est lyonnais, il a vu des marionnettes très tôt, mais petit à petit, il va d'une part accumuler des connaissances considérables sur l'art de la marionnette, sur la tradition de la marionnette, recueillir des canevas partout, dans la tradition lyonnaise notamment, publier plusieurs ouvrages, 3 livres sur les marionnettes, et constituer effectivement une troupe de marionnettes. Ça va être son occupation essentielle à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin de sa carrière. Et il va là former une troupe complète, inventer un personnage bille en bois et une série de pièces qui permettent de montrer le Tour de France d'un compagnon du Tour de France, d'un compagnon artisan et qui traverse différents pays de légende. Et il va fabriquer quelques spectacles avec une troupe là encore qu'il a formée, mais en y imposant la qualité et la rigueur esthétique qui est la sienne sur les grandes scènes, c'est-à-dire un travail de décoration, d'éclairage, de mise au point de tous les effets sonores et scéniques remarquables, et proposer quelques représentations, relativement peu finalement, parce que les forces vont lui manquer, il ne pourra pas faire grand-chose, et lorsqu'il va monter une version pour marionnette de Faust, là, il ne pourra pas accompagner la tournée qui part en Allemagne à ce moment-là, à Munich, où il avait lui-même reçu le coup de foudre pour le théâtre tout au début du siècle. Alors, à quoi cela correspond-il quand, du point de vue de la nécessité artistique? Retrouver la marionnette, c'est retrouver un art traditionnel? Oui. C'est retrouver quelque chose qui allège le spectacle théâtral par, ne serait-ce d'ailleurs que du point de vue économique? C'est aussi une façon d'aller à l'essentiel, peut-être, en n'étant peut-être pas trop encombré par les acteurs et en pouvant justement donner à la représentation une stylisation maximale. Je crois que c'est aussi ce qu'il recherche et qu'il réussit apparemment à faire avec ses marionnettes. Il ne s'est pas arrêté aux marionnettes quand même, il a pris juste un peu avant sa mort, il a pris la direction du Centre dramatique du Sud-Est, c'est-à-dire il a participé au dernier moment au renouveau du théâtre français en appuyant de tout son prestige le mouvement de la décentralisation théâtrale, c'est-à-dire le courant majeur de ce qui s'est passé en France à partir des années 45. Alors justement, de ce point de vue-là, comment se situe-t-il dans ce qui a beaucoup animé l'après-guerre, à savoir les discussions sur le lieu scénique? Ben, je crois qu'il a, lui, proposé déjà à travers une centaine de mises en scène toutes sortes d'approches du lieu scénique, qui à chaque fois est un lieu scénique qui oscille entre une forme de réalisme et une stylisation extrême, sur le principe quand même selon lequel le théâtre ne doit jamais être naturaliste, ne doit jamais reproduire le réel au plus près, mais être aussi un tremplin pour le rêve, un tremplin pour l'évasion, et en cherchant à chaque fois les procédés qui vont permettre de le faire. Il ne s'est pas arrêté à une seule méthode. Je crois qu'aussi pour chaque pièce, il a
chercher un procédé décoratif particulier en usant au mieux de ce qu'il avait réussi à installer dans son théâtre, c'est-à-dire un remarquable équipement technique pour l'éclairage, un travail très soigné pour le son et un travail aussi très attentif pour les costumes, pour les coloris, pour la composition visuelle. Mais ça n'est jamais la même chose. Il va montrer d'autres pièces de Shakespeare avec d'autres dispositifs que celui d'Hamlet. Pour Macbeth, c'est une sorte de château en ruine qui sort du sol comme dans un rêve et puis qui disparaît tout à la fin. Il va monter encore aussi la Mégère apprivoisée dans un dispositif scénique qui renvoie peut-être à un type de gravure de théâtre de l'époque élisabéthaine, et donc un autre type de décor aussi. Ça ne sera jamais la même chose. Et en allant très souvent, alors en ayant un goût effectivement prononcé pour un théâtre qui ressemble presque à une image, et cette image va nous entraîner comme dans une sorte de rêverie à l'intérieur de ce qui va nous être, vers ce qui nous est raconté. C'est-à-dire que le spectacle doit rester à distance malgré tout. Relativement à distance, il doit surtout permettre au spectateur de se débarrasser des contingences quotidiennes pour se mettre lui aussi à entrer dans un rêve théâtral. Cette distance étant très relative, après tout, Batty est le premier à avoir monté l'opéra de Katsou en France.